この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Screamer 2 sur PC, un jeu sorti en 1996 donc pour Windows, MS-DOS. Et on est à la version 2 donc de cette série, la Screamer 2 qui se concentre cette fois-ci sur le rallye, alors que Screamer 1 était plus dans le GT. Et ce changement d'orientation pourrait avoir été dû à la série Ridge Racer sortie un an plus tôt. Changer d'avis, on va dire, pour éviter d'avoir trop de concurrence. On parle quand même de l'édité par Namco de l'autre côté. Donc c'est parti, on peut choisir une équipe. Alors on est l'équipe Zeus, l'équipe Condor, l'équipe Angel, c'est l'équipe Wasp. Donc c'est juste des skins en fait, concrètement, il n'y a pas de différence entre les équipes. Et vous allez voir, c'est un jeu qui sort en 96 et qui est plutôt joli, pas pour l'époque. On pourra par exemple l'équipe Wasp. Voilà, ensuite après on va prendre, c'est bien, on va écrire notre nom, donc à faire, voilà. Hop, et à chaque fois je me trompe, d'ailleurs c'est pas évident. On recommence. Et est-ce qu'on va réussir à faire ça du premier coup, voilà. Et entrée. Alors il y a beaucoup de musique techno, vous allez voir si vous aimez ça, c'est génial. Donc le menu se décompose en plusieurs parties, la partie arcade, la partie championnat, la partie contre-la-montre et la partie multijoueur. Je vous montre un petit peu les configurations. Donc on peut mettre la boîte en automatique ou en manuel, on va laisser comme ça, on a gardé la définition au maximum. Nombre de tours 3, niveau des ennemis arcade en normal, oui. Ennemis multijoueur, on peut le mettre oui ou non. On peut jouer en multi dans ce jeu. Voiture fantôme, oui. Dommage, oui. Musique, oui. On va laisser par défaut comme ça, je pense que ça sera très très bon. Le menu, ils ont fait l'effort quand même de le faire en 3 dimensions, hein. Ça c'est plutôt cool. Par contre, je ne peux pas changer les niveaux de son. Dommage. Le son de l'audio est très 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 fort. Je vais d'ailleurs, de mon côté, je pense peut-être changer après le niveau. Alors je propose pour commencer de faire un petit contrôle à montre, histoire de vous montrer un petit peu comment ça se décompose. On a pour le moment que 3 courses, on a Californie, Égypte et England, sachant qu'elles ont 3 niveaux de difficulté, niveau de difficulté facile, moyen et difficile. Enfin moyen, mais bon, vous allez voir qu'après il y a difficile. On va prendre le tout premier qui se situe en Angleterre. Et vous avez des modèles qui se rapprochent énormément de vrais modèles. Celui-là par exemple ressemble à la Supra, mais ils l'ont appelé Horizon. On a Radiance qui ressemble à une Porsche GT3. Ensuite on a la Spark qui ressemble à une Mazda MX-5. Et on a la Nebula qui ressemble à une NSX de derrière et je crois même de devant aussi. Pourquoi pas, on va prendre, non, pas trop une NSX de devant, mais en tout cas juste de derrière. C'est parti pour la Nebula, on a plusieurs variantes. Sélection 1, sélection 2, on peut mettre sélection 1. On peut faire modifier, vous allez voir. Donc on peut faire le maniement, on peut choisir d'avoir le volant qui ou moins vite. On peut faire les freins plutôt vers l'avant ou vers l'arrière, on va laisser par défaut. Les types de pneus, donc on va mettre les pneus neige, les pneus pluie, les pneus secs. On va laisser les pneus secs pour le moment. On peut changer la pression des gommes, on laisse par défaut. Ensuite on a la suspension avant, donc qui est voilà, c'est par défaut, je sais pas pourquoi ça change. Ensuite on peut sauvegarder et du coup garder une configuration qu'on peut réutiliser à chaque fois. Je vais juste réduire un peu le son du jeu de mon côté parce que c'est très fort. Très fort. J'ai l'impression que je suis obligé de parler très fort alors que j'ai pas besoin à la base, mais au moins
Voilà, donc on va faire standard, on va laisser par défaut. Et on a un mode essayé ou 3 tours, donc on va faire 3 tours. Et c'est parti. Et voilà, donc c'est parti. Donc je rappelle, Pandemia 196 sur ordinateur est vraiment pour 96, c'est très correct. On a, je trouve que les graphismes ont tendance à un petit peu à ressembler à ceux de Sega Rally 1. Avec beaucoup plus de détails et aussi un champ de vision un peu plus élargi, même si on voit quand même pas mal de vie. On est dans le mode de graphisme le plus élevé. On avait une version qui était modifiée pour utiliser la 3DFX, le Glide. Et ici on va jouer en mode DirectX. Enfin en mode Viewer si vous voulez. Alors pour accélérer, c'est avec les flèches, hein, flèches avant pour accélérer, freiner, flèches arrière, gauche, droite pour tourner. Il me semble qu'avec l'espace... non, on peut changer la vue avec les touches F1, F2, F3, F4. Enfin, si par exemple je fais la touche F1, j'ai la vue embarquée. La vue F2, on a un petit cockpit, mais on n'a pas de volant. Vous avez juste un fichier image qui a été posté par-dessus. Mais si on fait la différence, c'est pas trop d'angle de vue. On a F3, vous pouvez voir la vue capot. Alors c'est une vue pas mal, sauf quand on va dans les virages, parce que vous voyez, on a tendance à avoir la caméra qui se décale légèrement sur les côtés. Et ensuite, là on a toute la vue F5. F4 qui permet de voir la vue de derrière. Il y a des dommages apparemment, mais je n'en ai pas vu, en tout cas en mode contre-la-montre, je n'en ai pas vu. Les voitures sont plutôt un maniement qui je trouve assez réaliste, hein, ça glisse au bon moment. On peut un petit peu orienter, drifter, on peut doser surtout. C'est vraiment intéressant. Mais je vais ralentir, je vais accélérer un petit peu en vrai que ça passe. Alors évidemment le jeu a énormément de vie. Il y a un tripod, mais il est pas si mal. C'est sûr qu'à l'époque 96, je crois qu'on a même pas du Force Speedway qui est sorti. Le Force Speedway est sorti en 97 il me semble. Le jeu est quand même plutôt très très joli. Allez, on va finir notre tour, on va essayer de faire un petit temps. Déjà j'ai complètement loupé je pense On va tester le mode arcade ensuite. Comme j'expliquais, si vous aimiez, voilà, en plus on a des petits objets qui ont physique. Si vous aimez la techno, comme je disais, vous allez adorer. Il n'y a vraiment que ça. D'ailleurs, si on fait, il me semble, échappe, voilà, on a lecteur CD. Et ici, on peut choisir le. Ah, en gros, ce qu'on peut choisir comme musique, on va laisser par défaut. Faire échappe. Et là, on va arriver dans le troisième tour. On va faire échappe, on va faire quitter. On va changer de mode et on va se mettre en mode pas championnat, enfin mode arcade pour le moment. On va accélérer pour continuer. Donc là on a le circuit, donc les trois circuits qu'on a dit depuis le début. On va prendre l'Egypte. On va changer. Alors vous voyez qu'il y a la différence entre les voitures. Là on a une 4 roues motrices, donc c'est pas mal pour les courses un petit peu en glissade. Là on a l'avant, donc propulsion arrière, pardon. Et là propulsion avant, 5. Et donc du coup on va prendre une 4 roues motrices, on va prendre une Horizon. C'est parti. Et on est donc quatrième, je crois qu'il y a une nouvelle voiture dans le jeu en même temps. Et voici en Égypte. Avec une pyramide et un petit hélicoptère au milieu. Ils avaient bien les hélicos à l'époque dans les jeux. Limite le quota à utiliser dans n'importe quel jeu de voiture, mettre un hélicoptère et vous avez un jeu unique. Alors là ça glisse pas mal, on ralentit pas mal quand on est en dérapage. Il y a quelques petites bosses. Alors quelques effets, enfin pseudo effet de réflexion sur les voitures, mais en fait il n'y a pas vraiment d'effet, hein. c'est un petit bitmap qui tourne à 360 degrés autour de la voiture.
C'est un jeu qui est pas spécialement facile, c'est-à-dire que les IA sont quand même assez rapides. Alors le boost, hein, elles se fichent qu'on soit sur leur trajectoire ou pas. L'avantage c'est que des fois, elles permettent d'avoir un petit boost en poussant, voilà, comme c'est fait ici. Et on, regarde, on avait deux endroits où on pouvait aller, et il y a une IA qui s'est plantée d'ailleurs. On a vu sur le côté, du coup, le chute troisième. Particulier ce passage d'ailleurs. On a cassé bah, quelques caisses justement. On a fini le premier tour. Alors je vais vous faire profiter quand même un petit peu des vues. Peut-être plutôt la vue capot que je trouve plus intéressante que les deux premières. Parce qu'on voit légèrement les roues qui sont d'ailleurs assez mal faites. Si vous regardez sur le sur l'écran, hein, dans le HUD. Ah, en haut la progression de chaque équipe et du coup on retrouve les 4 équipes qu'on avait en choix au début du jeu. On va voir si on peut remonter. Alors les circuits sont loin d'être les plus compliqués mais vous voyez qu'il y a quand même un rythme assez soutenu, on est en mode normal pour le moment. Ça peut encore aller plus vite. Ça glisse de partout, c'est pas forcément facile. Alors j'ai me taire un petit peu, je voulais un petit peu écouter la musique et l'ambiance du jeu. Étonnant avec le moteur graphique du jeu, c'est qu'on a le même paradoxe, enfin le même problème que sur le PlayStation et un peu la Saturn aussi. C'est les textures en fait, ils ont l'impression de pas de baver mais de bouger au fur et à mesure, elles sont pas de correction de perspective. Là je suis parti complètement à la fosse. J'ai perdu pas mal de temps. Dans le 3D. Un petit moment de concentration. Il y a quand même une différence entre les revêtements quand on est sur la partie un peu sèche, enfin sèche pas dans le sable, c'est le cas ici, on a quand même beaucoup plus de facilité à tourner. Ici par exemple ça tourne beaucoup mieux. Ah, je vais essayer de gagner du temps à cet endroit, donc, si je fais attention je peux justement pas trop me planter. Donc, ça j'ai quand même réussi à me louper. J'ai gagné un peu de temps. Gros freinage ici, mes souvenirs, voilà. Il y en a encore tout cassé. Allez, on va changer la vue. Là, on termine en deuxième position. Je pense que j'aurais pu faire mieux si j'ai pas trop fait de bêtises en début de course, mais alors que ça glisse un petit peu. On a un mode replay, vous pouvez voir ici. Donc là, on a la vue externe. On va voir si le replay est assez dynamique ou s'il est mal fait. On va faire quitter. On va faire appuyer pour continuer. Alors on a le circuit de Californie. Ce que je vous propose plutôt c'est que l'on fasse un mode championnat pour découvrir un petit peu ce qu'il y a. On va changer d'équipe aussi d'ailleurs. On va prendre l'équipe par exemple l'équipe Condor. Et on va prendre un mode championnat. Alors on a plusieurs divisions. On a la division 1 avec 4 circuits, la division 2 avec 5 circuits, la 3 avec 6 circuits. 4 avec 6 circuits et sont non disponibles bien sûr puisqu'il va falloir d'abord commencer par la première division.
le menu en division 1 et on a trois petites courses. Et même la Finlande, regardez, on découvre un autre tracé. C'est parti pour l'Angleterre. Je sais pas ce qu'on va prendre comme voiture. On va essayer la Radiance qui, à mon avis, sera infecte à conduire. En général, la voiture type Porsche, ça commence à chasser énormément de l'arrière. Hein, parce que c'est des, c'est des transmissions. C'est des propulsions. On va laisser par défaut. Je sais pas si ça aura un impact si on pourra changer entre les circuits. Allez, c'est parti. On est donc sur, du, sur le circuit d'Angleterre. Ouais, pour l'instant en tête, regardez, quand on est en position 1, on a droit au petit laurier. Je suis parti, voilà, comme je vous l'avais dit, j'allais chasser, ben c'est bon, on va se chasser de l'arrière. Par contre, donc, j'ai activé, dommage, mais pour l'instant je les vois pas, enfin je vois pas visuellement. Aïe, c'est dommage. Et on va se remettre en vue embarquée, je trouve plutôt, plutôt sympa, on a à la fois le mix effet de vitesse et le fait de voir un petit peu la voiture. Chasse énormément. Allez, je vais me taire encore une fois. C'est et de la bande son. On va essayer de terminer dernier, ça serait bien. Un tour pour se refaire. C'est peut-être là où je pense que mettre la boîte auto manuelle aurait pu être une bonne idée. Ça permet d'avoir plus de reprises. Au moins, je me saurais rapprocher d'eux. Et voilà, c'est visé l'arrière. Voilà, j'ai pas eu trop de temps, donc ça va être difficile de la rattraper. Je suis à 12 secondes, tu quittes ça. Du coup on marque 0 points.
Alors, donc, du coup, 10 points, 6 points, 3.0. Voilà, course achevée 1, course 63. On va accélérer, c'est pas grave, hein, on va faire la suite. Donc, on va peut-être pas faire deux fois les métis. On va prendre la Spark qu'on n'avait pas pris tout à l'heure. On l'a pas prise, oui. On va faire la sélection standard. Alors, on va voir un petit peu quand même. On va faire modifier. Et au niveau pneus, on va prendre. Ah, mais on n'a pas besoin de la neige en fait, parce qu'il n'y avait pas de la neige. Suspension arrière. On va essayer comme ça. On verra bien ce que c'est. Une voiture qui devrait peut-être être plus stable de l'arrière que notre voiture d'avant. C'est assez étonnant qu'on puisse changer d'ailleurs de voiture en cours de championnat. C'est le premier jeu où je vois ça. Normalement, en général, on prend une voiture, puis on doit, si on va dire, la subir du début jusqu'à la fin. Mais là, non, on peut changer en cours. Entre les courses, et potentiellement, je pense qu'il devait y avoir des choix à faire pour se simplifier la vie, c'est-à-dire prendre peut-être la meilleure voiture qui correspond à tel ou tel circuit. Le semblant de Mazda MX-5, c'était pas le bon choix, j'en sais rien. Tester avec elle. En tout cas, s'il y a, certes, c'est un petit peu bourrine, un peu comme moi, je trouve qu'elle est plutôt bien proportionnée hein, en termes de difficulté. Moi je prends tous les murs, tout va bien. Heureusement qu'on s'est entraîné un petit peu avant. Alors j'ai hâte de vous montrer évidemment la course de Finlande, parce que ce sera un des circuits qu'on va pouvoir découvrir grâce au premier championnat. Je suis parti à la faute. C'est fou hein, parce que dès qu'on s'embourbe, eh ben, je ne peux plus accélérer. Si on était bloqué en première, voilà la seconde. Alors là je peux pas accélérer. Il faut vraiment que d'un coup elle parte. Et là maintenant c'est bon, j'ai récupéré le grip. Ce qui aurait été intéressant aussi, c'est d'avoir un rétroviseur pour voir un petit peu derrière où ils sont. Pour essayer peut-être des fois de les bloquer ou leur trajectoire. Et c'est bon le jeu à planter. Eh, hey, j'ai l'impression qu'on peut la planter. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, on va quand même voir si on peut. Eh, j'ai l'impression que ça a planté, malheureusement. Est-ce que ça va... Ah non, le jeu a planté. C'est pas grave, on se retrouve juste après, tant pis, on va essayer. Bon, mais écoutez, j'ai pas réussi à me sortir de ce plantage, donc du coup, il va falloir tout recommencer au niveau du championnat. Je vous propose de vous montrer quand même le mode multijoueur, enfin en tout cas ce qu'il y avait de possible à faire en réseau, donc on peut faire en liaison série. Je me rappelle qu'il y avait des ports, c'était différent, il y avait forcément les connexions à J45, puis aussi avec des tokens par câble série. Câble série, c'est les gros câbles qu'il y avait sur les imprimantes par exemple, avec la grosse fiche derrière. On a le mode combat. Par exemple, on pourrait faire une partie à deux en choisissant une équipe chacun son tour. Là, je ne pourrais pas le faire. Et en gros, on pouvait jouer à deux en mode combat. C'est un petit peu dommage, je ne peux pas vous montrer ça. Je peux remonter mon championnat, malheureusement, on ne pourra pas le faire. Je vais vous montrer le circuit en ville qu'on n'a pas vu. On va prendre le circuit de Californie.
En prenant une voiture qu'on a pas pris avant, la Spark on l'a pris, la Radiance on l'a pris, mais je vais pris la Horizon. En automatique. Donc c'est parti. Voilà donc le circuit en ville qui est, vous allez voir, plutôt bien fait. Alors ce cas là vous pouvez comparer avec Ridge Racer d'ailleurs pour vous rendre compte que le jeu n'a quand même rien à envier à ce jeu, à la version de Namco. Le rebond était, était correct sur le mur. On change un petit peu de revêtement. Ça glisse beaucoup plus. Pas mal de détails, hein. On a le public, on a les arbres sur les côtés. Alors ça c'est pas de la vraie 3D, hein. C'est juste des bitmaps, enfin des textures. On a regardé le petit... On peut passer par là. Non, je peux pas. Normalement je suis obligé de suivre le chemin déterminé. Assez loupé, et comme d'habitude avec Mia, c'est moi qui suis la victime à chaque fois. Alors je sais, c'est quand même quelque chose par rapport à Ridge Racer, il y a quand même moins de véhicules, on est que 4. La fluidité est quand même très bonne. Heureusement, la fluidité est très bonne. Ok. Alors, j'aime bien, c'est qu'il indique le virage, mais c'est vraiment super tard en fait. On va plus l'annoncer un petit peu avant. De la passer à l'intérieur. Les bruits de collision qui sont vraiment super forts. Pas mal, par contre le premier est toujours très très loin, 9 secondes de retard maintenant.
On va finir deuxième, écoutez, pour un petit finish, pas mal. 5 minutes 51, donc on va voir le replay. Je sais pas si on peut changer de vue, on peut être en interne, on peut être en proche, en vue arrière, subjectif. Mais je pense que c'est... Je vais pas changer. Trouver d'autres modes. On va faire un replay à nouveau. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'était donc le streamer 2 sur, sur PC. On y prend un abandonneur évidemment maintenant. Peut-être qu'on jouera au premier du nom, qui était à l'époque déjà une bonne réussite. Mais quand même c'est plutôt sympa hein, niveau graphique et niveau maniabilité. C'est un jeu qui est très dur, vous aurez compris, hein, j'étais en mode moyen, c'était pas, pas super facile. Alors il n'y a pas exemple de défaut, mais c'est beaucoup de défauts qui peuvent être mis de côté si on se réfère plutôt à les deux sorties, parce que 96 quand même, pour sortir ça c'était quand même déjà très bien. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.